Très bien. Et donc, eh ben, nous sommes de retour. Donc, pour moi, une semaine après, on est donc, ouais, on est une semaine après le dernier épisode. Donc voilà. Donc, deux, trois petites nouvelles. Mais bon. Oula, je baisse un peu le son. Vous serez au courant avant moi. Premièrement, comment le Donc cette quotidienne ne paraîtra qu'en août pour diverses raisons. La première raison, c'est que je ne peux tourner que les week-ends et vous avez vu, je peux produire environ que 4 épisodes par week-end. Ça aide pas. Ça aide carrément pas pour faire une quotidienne. Donc j'aurai certainement besoin de tout le mois de juillet pour l'organiser. Donc voilà. C'est ainsi. Et puis diverses autres raisons. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't wanna stop me with a gun in your face. Yeah, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Ok, donc on va récupérer donc une voiture pour la fête. J'ai vu qu'il y avait le... Sur le parking, il n'y a pas une voiture. Si, il y en a une. Je vais juste ranger mon flingue. Et on est parti. Ouais, ça peut le faire. Oh merde, j'ai pas vu la faute. Ah d'accord, ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, la qualité de la flotte a bien changé quand même. Ah ouais, non, ok. Pour cette version remasterisée, j'avais pas vu d'eau encore. Mais là, je dois avouer, wow. Là, les mecs... Elle est vachement... Enfin, elle est vachement trouble, parce que les vagues sont... L'effet des vagues est un peu trop nombreux, je trouve. Mais honnêtement, là, j'ai pas vu que l'eau était à ce niveau-là, en fait. Vous voyez, ça fait flou, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a encore un truc de flèche, là. Alors, j'ai réfléchi, les trucs de flèche, il est possible que je les saute. Pour la simple et bonne raison, bah, c'est qu'avec frappe, je suis qu'à une trentaine de FPS. Ce qui fait que, je galère, quoi. Donc, on réessaye une fois avec frappe. Si j'arrive pas, je le passe hors caméra. Et je relancerai l'enregistrement au bon moment. Non. Oh, zut, j'ai foiré. Et puis en plus, il y a de la musique. J'ai peur de me faire... J'ai peur de me faire flaguer là-dessus. Donc... Allez, hop. Bon, j'espère que la musique n'est pas trop forte.
Yeah, for sure. Bon, allez. Let's see what you got. Donc il faut faire de 2500 en plus. Alors j'ai eu confirmation hein, comme quoi cette version remasterisée, la difficulté a été vachement revue. Je me perds dans les mouvements. Oh. Oh, c'est pas vrai. Oh non, le jeu a craché, mais non. Ok, donc j'ai réussi, j'ai fait 2700. Je crois que je me suis planté. Ah non, fallait que j'accepte pour... Attendez, je suis pas sûr. Oui, ok, d'accord, non, c'est bon. Ouais, c'est ça, ok. Ouh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais... Oui, parce que j'avais répondu non, parce que je pensais qu'elle me proposait de rejouer, en fait. Mais en fait, non, pas du tout. Allez, on est reparti. Oh là 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 là. Bon, ok, donc j'ai fait 2700 et quelques, mais j'ai fait ça hors caméra, hein. Bon, je l'ai... c'est beaucoup plus facile hors caméra. En fait, le frappe se ralentit trop le jeu. Bon, en même temps, 2700, et il fallait faire 2500, je suis pas non plus... J'ai pas non plus été génial. Mais bon, voilà, ça se fait, ça se fait. Donc je pense que pour la mission de César ça va être pareil, je vais le refaire hors caméra. Je me souviens avoir galéré quand la première fois que j'avais joué à ce jeu-là, la version remasterisée, la difficulté a vraiment été revue, je pense. Clairement. Donc c'est nickel. Alors ça présente des avantages mais aussi des inconvénients. L'avantage c'est que résultat je ne ragerai pas. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que le jeu risque d'être un poil plus court. Mais bon, à mon avis, il y a déjà de quoi faire, hein. Parce qu'on est toujours à... C'est Los Santos aussi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était là, hein. C'était là, MDJ. Mais il est fou, cet homme. D'accord, c'est un conducteur agressif. Ah, c'est chiant quand on a ça. Ah bah oui, c'est un des mecs... Oui, c'est vrai, on est poursuivi par les mecs de la plage, mais les mecs, ils sont à la bourre. Pas bon. Allez, pourvu que le jeu ne crache pas. Pourvu que le jeu ne crache pas, parce que là... Nickel. Ok. Ouais, bon, on va prendre une voiture. On va les sauvegarder. Je sauvegarde à chaque mission parce que malheureusement le jeu est pas ça. Pourtant j'ai fait des mises à jour. Hein. J'ai tout mis à jour, la librairie C, tout ça, tout est à jour. Je ne comprends pas pourquoi ça bug.
Je suis sûr qu'ils... Quand c'est déjà sur la masterisée, ils ont mis énormément de bugs et j'ai l'impression qu'il y a des bugs qui font chier. Peut-être que j'en désactiverai certains. Oula. Donc je sais pas, peut-être le... J'ai vu qu'il y avait un mode qui corrigeait notamment la trajectoire des oiseaux. Voilà, peut-être que ce genre de truc, voilà, c'est pas trop gênant, quoi. Je veux dire, s'il y a des oiseaux qui volent à la verticale, c'est pas trop gênant. J'ai fait le tour un petit peu des modes, enfin des modes qu'il y avait d'installer de base. Donc voilà. J'ajoute si j'ai bien sauvegardé à l'instant. Attendez, je vérifie juste. Ouais, on est bon. On est bon. Donc vous voyez, j'enregistre ça le 11 juin. On est un samedi. Ok, il y a de l'orage. Ouais, alors ça, je coupe, j'attends pour... on va re-sauvegarder pour faire passer ce temps parce que le problème c'est que les flashs... je sais que certains d'entre vous... voilà. Enfin, on va éviter les flashs. Donc, on va faire passer ce temps. Il y a encore des flashs. Encore de l'orage. Je mets juste le temps clair, je reviens. Voilà, j'ai remis le beau temps. J'ai même mis la canicule. J'arrivais pas à taper l'autre code du temps beau normal. Donc j'ai tapé le code de la canicule. Bon, donc voilà. Non, quand il y a des flashs comme ça, c'est vis-à-vis des personnes qui seraient épileptiques ou des trucs comme ça. Hein. C'est juste pour ça. J'ai... Donc, les flashs sur les vidéos, de toute façon, ne serait-ce que si vous n'êtes pas épileptique, c'est désagréable. Donc, voilà, c'est vraiment pour une histoire de confort que la météo également, on va éviter les orages. Quoi. La pluie seule encore, ça va. Mais quand il y a des orages, quand il y a des flashs comme ça, non, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, c'est pour votre confort aussi, hein, donc... Oh zut, attendez, ouais, on... J'ai passé l'intro, on va... Bon, je recharge, j'ai passé la vidéo, on la refait. Voilà, on est reparti, excusez-moi. And I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That shit sucks. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Bon. Mad Dogs. Ah, oui. Donc, c'est une mission d'infiltration. Oui, j'aurais utilisé la voiture pour retourner ici. Donc...
La portière qui bug toujours d'ailleurs. On va y aller avec cette voiture là. Oula. Arrêtez là alors. Alors c'est shift pour. Ok, on est parti. Donc je dois récupérer le bouquin de lyrics. Ok. Mad Dog, je me souviens plus bien de ce personnage, mais il me semble que là on va lui voler. C'est ça. Enfin, ouais, non, je vais pas vous spoiler si vous connaissez pas le jeu, mais je crois me souvenir de l'histoire avec Mad Dog. Donc, déjà on va se baisser. Accroupis-toi et vise le garde. Ok, donc là, on va le viser. Et en appuyant sur... Ok. Bon, je me suis foiré. Vraiment que je sois près de lui. Voilà. Ça me rappelle un autre jeu. Ça me rappelle un autre jeu. Ça me rappelle Tactical Assassin. Tactical Assassin qui était un super jeu, enfin qui était un jeu Flash que j'avais présenté dans mon émission Flash. Donc j'attends juste qu'il se pointe devant moi, qu'il fasse demi-tour. Ouais. Ok, nickel. Ah oui, puis je peux pas récupérer de flingue maintenant. Ouais. Et je peux pas switcher d'arme non plus, c'est verrouillé. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a la salle de sport. Bon, je vous dis une petite info, comme ça. Cette baraque nous appartiendra plus tard. Ok. Le troupeur est passé devant le bar.
balles. Donc, je sais pas de bêtises. Ouais, là c'est ça. Il y en avait un juste ici. C'est ça. Ok, maintenant il faut que je quitte les lieux, sachant que je peux réutiliser mes armes. Et on va essayer de la jouer. Voilà. Hop, l'avantage, c'est que là maintenant, j'ai un silencieux. J'ai que 5 balles. Ouais, ça va être juste. Alors attendez, je me souviens plus comment. Non, 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 pas comme ça. Non, c'est pas comme ça non plus. Je me souviens plus. Normalement, il y a moyen. Il y a moyen, c'est de verrouiller le viseur. Il n'y a pas une seconde sortie ici. Ouais, si, c'est ça, là-haut. Oh, c'est pas vrai. J'ai un appel, je suis mute. Voilà, veuillez m'excuser. Ouais, toujours du Breaking Benjamin sur mon téléphone. Non, j'ai pas besoin d'un autre gilet pare-balles. Le mien est à fond. Ouais, non, ça c'est un mec qui joue aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça, normalement je peux sortir par là. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un vélo. Ouais, allez, on va prendre le vélo. On va le jouer. Mais what? Pourquoi je suis passé à travers la... Pourquoi je suis passé à travers le mur? Wow, 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 wow. Tout va bien. Oh la dèche. Bon allez. Ah oh, oui, une Harley. Salut mec. Tu sais combien ça coûte ce genre de moto? Non mais oh. Alors je suis pas très de roue, mais quand même les Harley ça la casse. Enfin les motos ouais comme ça. Enfin plus allongé j'aime. Hey,
Ah, j'avais pas vu cette nouvelle texture. La texture 2.0. Ouh, toi, ta bagnole, je l'aime. Ça, ce sera l'émission de l'officier Tenpenny. On les fera plus tard. Ah, et on rencontrera Denise. Eh oui. La première petite amie de CJ. Alors, non, on ne déverrouillera pas les easter eggs de Rockstar Games. Parce que je vous vois venir. Non, 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 on fera ça. On restera dans le Piggy. Ouais, on est déjà en Piggy 18, remarque, hein, normalement, mais... Oh là là, oh la tronche. Oh mon dieu. Oh, le bug de texture. Is he available for communication? Who? Oh. Man. Oh, you mean Jeffrey. Oh, le bug de texture. Yeah. Oh, l'horreur. Oh, la vision de l'horreur. He got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Il y a une promotion, il est en train de nettoyer la friteuse. Juste un instant, je range mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always wanna keep a nigga down. Oh, le bug de texture, Mad Dog's manager is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the town, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some ball ceremony. And that's the only time. Ah oui, cette mission là. Oh, elle est chaude. Elle est... Ah, j'espère que la difficulté a été revue de cette mission là, parce que honnêtement. Ouais, pas du tout, tout à fait, on va continuer. Oh la vache, Et les dégâts ont bien été refaits aussi. Hein. Donc là, si je me souviens bien, faut qu'on aille chercher la voiture d'un mec sans abîmer la voiture. Donc là, ça va être ça la difficulté, c'est de pas abîmer la bagnole. Oh le con. Good looking. I'm gonna see if I can catch up with you. Bon, l'étoile a disparu. Hey, what the fuck are you playing at? You're going to put me on? Get up, you and me. Come on. We have a 13 in South Temple. Suspect left. Bah, alors, rentre dedans.
D'ailleurs, ils ont changé la couleur de la bagnole. Waouh. King of Custom. Non, pas là. Mais attention, il y a un flic là, faut pas que je le boule. Ouais, et les classes là, le truc... Là, la difficulté, c'est d'arriver jusqu'au bout sans abîmer la bagnole. Donc là, on va rouler doucement. Ouais, ok, faut que je fasse le tour. On est bon. Et là, la difficulté, ça va être de rester entre les deux. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Ma femme, ma maman et mon frère. Enfin, mes fans. Ma maman. N'importe quoi. En fait, je vais rester au cul de l'autre. Mais pas trop le serrer non plus. Ok. Take me back to Dark Mass. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Ah, la vache. Comment elle hurle, la tondesse. Bon. Security team, the principal is being kidnapped. Rescue him at all costs. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Lock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, fool? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Take it. They'll do anything. Shut up! Hey, up. No. Eh ben c'est pas mal tout ça. Non sérieux, c'est moi qui suis bon ou vraiment le jeu est devenu beaucoup plus facile? Thank you.
Hop, on est parti, on sauvegarde un coup. Et je pense qu'on va faire la dernière mission d'Oji. C'est même pas une mission, je crois, la dernière. Je crois que ce qu'on va faire, c'est juste qu'il va nous inviter à aller à la fête qui va se trouver à Grove Street. Et puis là, terminé quoi. Enfin, terminé pour l'émission d'Oji Lock. Maddox, ouais, c'est ça. Wow. Ouais, normalement là il y a... Normalement là c'est juste... Hey fuck you man! And I don't care what you heard! I ain't nobody's ass technician, bitch! Technician, hey, là. Hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boom-bastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Voilà. Donc on a fait toutes les, enfin presque toutes les missions d'Oji, et puis il y aura plus qu'une mission où il faudra des forts. Enfin, ben voilà. Il n'y aura plus qu'une mission, aller à Grove Street. Mais on va aller faire les missions de Tenpenny avant. Donc en fait j'aurais dû... je m'en doutais, donc j'aurais dû laisser... Enfin, j'aurais dû sauvegarder après. Mais bon, ça fait rien. On va sauvegarder un coup. Ou alors, juste je vérifie la carte. Est-ce qu'on n'a pas... Non, on n'a pas de lieu de sauvegarde près de chez l'officier. Écoutez, c'est qu'un dialogue. Honnêtement, on va directement aller voir chez nous. Tenpenny. Je me souviens absolument pas des missions de Tenpenny. Ce que ne doivent pas vraiment être intéressantes. Tout ce que je sais, c'est que la dernière mission, on rencontre Denis. Oh. Bah lui il a un problème. Can anybody in this state drive? Alors je fais juste une petite pause avant de lancer la mission. Juste une minute. Très bien, on est reparti. Donc, on va reprendre. Carl Johnson, CJ, come on over here, son. The Burning Desire, bah c'est pas celle-là la mission rencontre Denise. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him. And he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood. Not even in a box. Get the fuck out of here. Non, bah c'est ça. C'est la mission où on rencontre Denis. C'est cool.
Alors l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre une voiture de flic. Légit. C'est tout à fait légit. Et franchement, voilà. Oula, ça ralentit. Ouais, clairement je fais peur des routes. Bon, allez. Ok, cocktail Molotov. Ben oui, la grand-mère. 1000 points. Ouais, c'est ça, oui, c'est une fermée. Bon, donc, bah, c'est pas compliqué, en fait. Ça va vraiment pas être compliqué comme mission. La difficulté en fait ça va être de 1 pas mourir et 2 pas se faire flamber la tronche soi-même. Voilà, comme ça. Impossible. Désolé. Désolé, là j'ai pas pu faire autrement. Ok. Alors. Aïe 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 aïe. Ok, on voit que dalle. Oh, l'effet de fumée, il est abusé sur la version remasterisée quand même. Bon. Je vois rien. Oh, c'est abusé comment je vois rien. Donc, la cuisine. Ok, bon, là il y a un peu de monde. Où est la... Où est la cuisine? Où est la... Aïe, aïe, aïe. Oh, hey, c'est horrible. Ah non, et là les mecs, vous abusez.
Mais je vois rien. Je... Oh là là, c'est l'horreur. Cette mission, c'est juste l'horreur. Tiens mais... Allô ? Allô ? Je... Excusez-moi, je ne vois rien. Donc là, ok. Donc là, faut que j'aille là, mais... Oh, cette horreur ! Mais cette horreur ! Ah bon, il est là l'escalier. Wow. Bon, dans l'escalier, on... Oh, putain, non, mais je veux pas la... C'est... Honnêtement, hein. C'est l'horreur. Ok, je suis dans la cuisine. Ok, ok. Par là, par là. Ok, par là, c'est bloqué. Donc, il faut que je passe par là. Par là et par là. Ok. Ouh. T'as oublié la meuf. C'est pas vrai. Allez. Elle est où? Elle est là. Ok. Alors. Ok, c'est bon. Elle me suit. Ok. Quand même. Bon, elle est là. Hey man, I owe you my life. I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Alors une fois comme ça, j'ai ragé parce que les pompiers l'avaient écrasé. Where you live? Just off Grove Street. Oh. No shit. Une des premières fois que j'avais joué au jeu. I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from the shit. Plus Denise. Par contre, t'as un... T'as une jambe de pantalon qui est remontée. Chacun.
Bon, on va sauvegarder. Alors, ce qu'on va faire. Pas compliqué. Ten Penny, c'est sympa, mais on va sauvegarder ici à Grove Street. Je dois plus avoir de voiture moi, dans mon. Avec toute cette histoire dans mon. Ah si, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah d'accord, ok, j'ai encore l'ambulance et le taxi. Bon, on va sauvegarder, se régénérer. Donc oui, je me suis remis 2 500 $ en plus, mais sinon la mission était un échec si j'utilisais pas le code de la vie. Je vais supprimer l'argent, hein, je pense. Je dois y avoir un code pour ça. Au pire, y a un moyen de le dépenser quelque part. Ouais, il y a un moyen de le dépenser. Attendez, je réfléchis. Oh putain. Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now, then. Bon. Là-bas, c'est la fête de G. Il veut nous appeler régulièrement pour qu'on... Mais là, on va faire cette mission-là. Et pour le hors-caméra... Donc on a déjà vu la cinématique. Hein. Donc pour le hors caméra, on verra. Mais ah ouais, je ferai le truc de Rider hors caméra. Bah écoutez, on connaît déjà la première partie de cette mission. On l'avait déjà faite ensemble. Je pense que je vais couper, passer le moment où super galère avec les flèches. Et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors, juste, je relance juste là parce que... Oh mon dieu. Mais elle est en rose flashy comme ça, en rose bonbon comme ça, elle est dégueulasse. Mais dégueulasse quoi. Bon, allez, on se retrouve là-bas. Bon, seconde précision, je mise le maximum histoire d'évacuer le pognon. Si jamais je perds... Les 1000 dollars, je les perds et puis ça va faire diminuer le pognon du shit en fait que j'ai activé. Voilà. Donc je vais évacuer un petit peu d'argent comme ça. À chaque fois que j'échouerai, je perdrai 1000 dollars. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors là, j'ai pas compris. J'ai perdu, mais j'ai quand même passé le truc. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Oh. Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Don't get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes. I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with Mika, man. Okay, I guess we cool. Now. Cesar Villalpando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes.
Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Résultat, j'ai gagné 2000 dollars. Oh, purée. Bon, ok. Je pensais perdre deux ou trois fois, j'ai réussi du premier coup hors caméra, quoi. Je... Là, ok. Par contre, à chaque fois qu'il y aura des trucs comme ça de... Comment dire? C'est du QT? Non, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, du Quick Time Event. Ouais, c'est ça. On fera comme ça. On fera comme ça, c'est-à-dire on... Alors, attendez. Juste, je vais aller sauvegarder, parce que là, quand même, ça se sauvegarde. Donc, carte. Et on va aller sauvegarder. C'est où le... Donc, c'est... ici qu'on va sauvegarder. On va sauvegarder ici et après on ira là, on va aller s'acheter la maison qui est là-bas. Je claque le pognon dans les... dans les maisons. Hein. Ça peut toujours servir. Enfin, c'est vraiment pour avoir des points de sauvegarde, quoi. Les points de sauvegarde, ils seront utiles qu'à la fin du jeu. Et de toute façon, à la fin du jeu, on est bien des pognons, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de modes également pour gagner du pognon, pour gérer du pognon, pour avoir des systèmes de rente, ce genre de choses. Donc, moi je m'en sers pas. Voilà, quoi, ce serait l'équivalent si je me servais de ce truc-là. Ah oui, c'est Seen Kendall? Yeah, she's around for a meet. I was just hitting you up to say that you drive good and you like cars, eh? So, yeah, I guess. Where we going with this? Wait, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoopy homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice. You don't get in, eh? Okay, I mean. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous because the race is in. Excusez-moi, faut que j'éternue.